Hello, hello! Bienvenue Trop pour cool! Ça sur la tête parce que je me suis lavé les cheveux et comme j'ai un petit peu de temps, j'ai fait ma valise. Tout est prêt. Je vais juste rajouter mon petit produit pour après le steam pot parce que du coup j'embarque mon steam pot parce que là je vais les pré-sécher. Mais je sais pas trop enfin, si je les pré-sèche, si j'essaie de les lisser. Bref, on va voir comment ça se passe. Étant donné que je voudrais tester les accessoires du Shark Beauty que je n'ai pas encore testé. Du coup, j'ai pas spécialement pris de produit pour mettre sur mes cheveux, mais j'ai utilisé mon shampoing bleu comme d'habitude là et le Garnier aussi que Jen adore. Je me suis mise à l'utiliser, je trouve super sympa. Et j'ai mis mon démêlant pour cheveux bleus aussi, pour cheveux blancs, mais celui qui est bleu. Et ouais, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on part sur un pré-séchage puis la brosse? En tout cas, je voulais déjà, dans un premier temps, tester la fonction sèche-cheveux, juste sèche-cheveux. J'espère que le fil est assez long. Ouais, j'ai une prise là sur le côté. Donc, le temps de brancher ça. Et on va voir si on l'utilise comme ça ou comme ça. Je vais vous rapprocher un petit peu parce que avec le fil, je ne suis pas prêt non plus. Donc, je vais déjà enlever ce que j'ai sur la tête. Et ensuite, ce sera parti. Je fais super attention parce que j'ai mis le rouge à lèvres et le gloss un petit peu bordeaux, violine. Et c'est pas un sans transfert, le gloss, quoi, forcément. Et quand on est habillé en beige, autant vous dire, la dernière fois, je m'étais maquillée, j'ai enfilé un top clair et sans faire exprès, ça s'est mis contre ma bouche. J'ai dû enlever le top clair, clairement, et le mettre à laver. Voilà, donc... Avec l'autre côté, ce sera mieux, Lauriane. Oh là là, je suis réveillée pourtant. Du coup, je vais déjà pré-sécher un peu. Mais avant, je vais aller devant le miroir pour refaire ma raie correctement. Parce que je veux vraiment sécher avec ma raie. Voilà, on est pas mal. Je vais démêler un peu. Vu que de toute façon, mon but, c'est de les lisser demain. Enfin, de faire un petit mouvement, quelque chose de sympa. Je vais commencer par les détendre déjà. Et ensuite, on va sécher, pré-sécher. On va voir. Allez, c'est parti. C'est bon, on a du fil. Séchage plutôt rapide. Je vais donc voir si dans mes cheveux je peux passer ça. Je dis ça parce que d'expérience, c'est vraiment le genre de quel côté il se met déjà celui-là. C'est vraiment le genre d'accessoire. Ah ben c'est bon, il est déjà dessus. Qui est pas facile à utiliser, pas forcément en tout cas quand on a les cheveux qui accrochent un petit peu, qui sont secs, qui sont bouclés, etc., etc. Du coup, je pense que je vais faire section par section comme quand je les lisse. Alors. Qu'est-ce que ça va donner? Telle est la question. Si je m'aperçois que c'est trop long, je laisse tomber, je laisse sécher comme ça, tant pis. Ils ne ressembleront pas à grand-chose aujourd'hui vu que j'ai tout détendu, mais au moins, bon, ils seront secs demain. Eh, pour le coup, c'est pas mal. Pour les sécher et les détendre en même temps, je vois pas super bien là. Ah ouais? Je crois que je vais tout faire.
Alors, vous le savez, quand j'avais testé l'accessoire pour faire les boucles, celui-ci, là, j'étais pas convaincue parce que sur mes cheveux, ben, ça ne tient pas. Par contre, cette brosse-là, waouh! Mais carrément, waouh! En fait, là, de les avoir pré-séchés, ah, c'est bon, ils sont quasi secs et ça les lisse plutôt bien. Je fais tout, convaincue. Là, ils sont quasiment séchés à 100%. Alors, bien entendu, ce n'est pas comme un lisseur, on n'a pas un résultat plat. Par contre, ça va me faciliter et grave ce que j'avais envie de faire demain avec le lisseur. Ah, c'est génial, trop contente. Franchement, cette brosse-là, du coup, je vais débrancher. Hop. Celle-ci, il y a quelques cheveux dessus, mais j'ai trouvé ça. Comme je vous disais, j'avais des brosses parfois qui accrochaient trop mes cheveux et j'arrivais même pas à les passer dedans. Là, pour le coup, pas du tout. Bon, forcément, j'ai perdu un petit peu de cheveux au passage, mais ça, c'est pas la faute de la brosse. C'est à cause des décos, etc. Mais très sympa. Et du coup, je me dis que pour les personnes qui veulent faire un brushing, genre enrouler un petit peu et tout, ça doit être pas mal. La prochaine fois, quand j'aurai plus de temps, je teste celle-là aussi, pardon. Mais trop contente. Pour le coup, pour sécher les cheveux en vitesse et avoir cet effet, il est génial. Et du coup, là, je vais juste mettre un petit peu de finition. En quoi que, vu que je vais m'en occuper demain, on va voir. Peut-être pas mettre des produits avant de faire des boucles dedans. Je mettrai demain. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'allais dire, je retourne de l'autre côté parce que, allez, encore une petite heure et ce sera l'heure de prendre la valise et de partir. Bien arrivé dans la chambre d'hôtel, on vous fera un mini room tour demain parce que pour l'instant, la mission c'est aller se balader et voir Paris by night. Il doit y avoir toutes les illuminations de Noël et tout. Ah, ça va être trop sympa. Oui. Le temps que la nuit tombe un peu plus, trop cool. Ça va pas tarder, ça va être rapide. C'est parti pour les cases 10 des calendriers gourmands. Oui. C'est ça, là. En dessous, regarde. Ouais, c'est ça. Super. Mais il n'y a pas que ça. Comment ça, il n'y a pas que ça? Bah, tu les aimes en tout cas. Hein. C'est pas mal déjà. Le calendrier de Jen. Décidément, on ouvre encore sans elle, elle va nous en vouloir. Attends. C'est pas facile non plus. Parce qu'il est vide derrière. Voilà. Comment ça, il est vide?
j'allais dire. Ah, un mini bueno. Un mini bueno. Trop cool. On passe au Kinder. Allez, on y va. Ici. Oh, toute petite case. Oh oui, c'est vrai ça. Elle est toute petite. Oui. Du coup, c'est peut-être encore plus difficile à ouvrir. C'est un petit chocobon. Chut, il faut pas dire. On essaie de deviner. Essaye de l'attraper. Oh, celui-ci nous donne du fil à retordre à chaque fois. Quand c'est petit, ça nous donne du mal. Quand c'est petit. Oh, c'est un petit œuf. Comme on a eu là, ici, on a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Oui, parce qu'on n'a pas tout mangé. Non. On passe au petit nougat. Oh, il n'y a pas de chocolat autour, celui-ci. Pour en avoir mangé avec du chocolat autour, vraiment, ils étaient très bons. Un peu. Avec des cacahuètes. Je suis aussi tombée sur un chocolat. Ah oui? Oui. D'accord. Qui était très bon aussi. Super. Là. Il y a un petit calendrier de maman. Cadrilla sauce. Waouh, une mignonnette. Non, chocolat au lait, chérie, ça va. Chocolat noir, j'ai laissé à papa. Ensuite, le calendrier de papa. Tu vois la case 10? Non. Non? Il y a... Là, regardez, elle est là. Toute petite. Il y a... Super. Oui. Un tableau rond blanc. Pour Jen. Oui. Mais pour moi. Ici. Ici, c'est pour moi. Oui. 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 Sur le petit bonhomme de neige. Aïe, 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 aïe. C'est bon, tu arrives? Ah non, papa, à la rescousse. Oh, petit encore. Emballage bleu aujourd'hui. Autant il n'y a pas la même chose. Mais on n'en a pas encore mangé en fait, et non. Comme ça. Et c'est pas la même chose dedans. Ouais, selon autant la c'est couleur. Pas la même chose dedans selon la couleur. Hein. C'est ça. Le calendrier de maman qui peut le dire. Yeah. Parce que Jen n'est pas là. Chocolat noir, chocolat noir. Celui d'hier c'était un chocolat au lait. Donc aujourd'hui ça doit être un chocolat noir. Allez, dites-moi, c'est quoi? Chocolat. Normal. Oh non, oui. Me suis fait avoir. Oh là là, c'est pas chance. Allez, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les calendriers joués. Oui. Les calendriers joués. Allez, viens, chérie. On commence avec celui-ci, yes. Moi, je vois le 10. Le 10 rose. Wow. Ah, j'ai trop hâte de voir à chaque fois cette case de celui-ci. C'est trop mignon. Ouais, vraiment. Ah, le côté miniature comme ça. C'est qui? Mais c'est Woody. C'est Woody. Il est trop beau. Tu cherches le doré? Oui, t'as eu le doré aussi. Allez, on continue avec Playmobil. Ici, chérie. Il y a toute petite case. Et oh là là. C'est oh, Is. Oh, c'est trop dur, papa. Je vais tomber. Oh. Ah, des œufs. Oh oui, des œufs et du lait. Avec ou des petits sacs en papier. C'est trop mignon. On peut ouvrir trop bien maintenant. Fait. On continue avec les animaux de la tu ferme. Tu tires des deux côtés. Oh, c'est une belle case. Oh, un petit cheval. Oh, trop beau. Un petit cheval. Attends, papa, il va l'ouvrir pour qu'on le voit mieux. Oh, c'est un petit chevreau. Oui. Oui. Oh. Il est trop mignon. C'est petit bébé cheval. Non, c'est un... Du coup, c'est un... C'est une petite chèvre. Voilà. Ouais. Un petit chevreau. Oui. Trop mignon. C'est un petit chevreau. Là, il y a un petit petit Astérix. C'est qui non. Ou c'est quoi? Oh! Oh, je sais ce que c'est. Ah, c'est le drapeau. Pirate. C'est le drapeau des c'est pirates. C'est trop cool. Il va falloir le mettre sur le bateau aussi. Ça se met où, tu le sais? Regarde. Au-dessus, tu crois, du panier? Je sais plus, faut regarder sur le mode d'emploi. Waouh! Trop beau! C'est génial qu'il y ait des petits détails à rajouter comme ça. Oui. Les petits œufs. Bon, ben du coup, on va te laisser jouer parce qu'on va aller de l'autre côté pour aller ouvrir les calendriers. Beauté! Et c'est parti pour l'ouverture de la case numéro 10. 10. Des cases numéro 10, c'est ça. Fleurance nature. Oh non, oh, on l'a pas dit parce que je l'ai attrapé en premier. Oh, oh. C'est quoi?
un shampoing à l'argan fortifiant et nourrissant cheveux secs. Super. Ça c'est cool. Ouais, à tester, très sympa. Ouais. Tu continues avec. Nice. Tadam. C'est mignon les petits paquets. Oh, je veux voir la couleur. Sweet cheeks. Donc c'est comme le... C'est un petit blush. Ouais, c'est ça. C'est comme le orange qu'on avait eu, je crois. Ah. C'est le sweet cheeks aussi, le orange. Mais ça aussi, il me l'aurait fallu pour la première de Wonka. Il est trop beau. Il est très joli. Bon, après là, j'en ai appliqué. J'adore ces couleurs un peu bordeaux. Mais voilà. Un peu... Alors, j'allais dire ton un peu violet. Violine, ouais. Voilà, ouais. Violine. Oui, oui. Très, très, très jolie. Ah ouais. Je suis fan. Du coup, je continue. C'est je vais te le piquer. Celui-là, c'est vrai. Hein? Tu m'as entendu ou pas? De quoi? Je crois qu'elle m'a entendu. Il y a plusieurs choses. Ah oui. Oui. Ah, mais c'est génial. Alors, on a de la marque Season Lee. Oui. Un masque peau neuve, illumine et nourrit. Ah non, wow. Mais montre comme il fait envie parce que ça fait très frais. J'ai l'impression que c'est des fruits, j'ai envie de manger. Genre. Ça fait geler. Oh my god. Il faut qu'on sente. Oh, ça sent bon. Très sympa. Ça sent naturel. Waouh. Avec... Mais en plus, il y a le coachat. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Non mais franchement. Mais ouais. Franchement, j'en avais jamais vu un aussi joli ouais. En couleur. Bah, moi, j'en avais un en pierre, mais blanche. Mmh. Là. Tu l'as fait tomber, toi? Non. C'est lequel? Ah non, il y en a un que t'as fait tomber, du coup, il s'est cassé, je sais plus lequel c'était. C'était le grand. Mais il est sympa, mais celui-là. Il est incroyable. Juste... Ah ouais. Il est holographique. Ouais, il brille, franchement, il est magnifique, j'adore. Trop, trop cool. Du coup, je. Oui, c'était à toi. Je suis perdue. Allez. Hop, la case. Adore. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Tu la vois? Là. Waouh. Ok. Oh, c'est encore un packaging qui fait hyper sublimissime. Joli. Sublimissime. C'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. C'est oui. Sublimissime. Je me disais, le mot est très long. Et il veut pas lire. Tu sais qu'il y a deux encoches, sinon, pour essayer de la frapper. Ouais, mais... Non, ça marche pas bien. Le parfum ne veut pas sortir. Attends, ah, imagine, il fait... Pfiou, il s'envole et mais tout. Mais non, t'inquiète, je gère. Ouh, un parfum qui vole. Ah, de ce côté. Hop là. J'ai du mal. Waouh. Donc, coopère pas beaucoup, cette case numéro 10. Hein. Attention, le bruit. À paillettes. Ah, à paillettes aussi. Ouais, regarde. Oh. Il est à paillettes. Wow. Non, mais il fait délicat aussi au niveau packaging. Très sympa. Maintenant, je retiens. Il faut compter jusqu'à 4, entre guillemets. Parce que le 3, un, il est 2, pas marche pas. Assez. Le 3, pas assez. Le 4, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Ah, ça sent bon aussi. Non, je ne serais pas dire par contre ça sent quoi. Mais moi, non, je pourrais pas dire, mais c'est un peu plus sucré que je suis dire en fait. C'est... Oh, ça sent bon. C'est un peu plus gourmand aussi, c'est un peu plus chaud. Enfin... J'essaie d'analyser en fait. Je pourrais pas vous dire, mais qu'est-ce que ça sent très, bon, très ces parfums, ah, j'adore. Mon calendrier là. Je suis jusqu'à fan. Présent, ouais. J'attrape le calendrier Guinou. Ah. Hop. Waouh, il oh, est la trop couleur beau. Est sympa. C'est en vernis. Ça fait très automne en fait. Ouais. J'aime beaucoup. Nude, un peu, bah un peu violine en fait, hein, en soi. Ouais. Mais il est très joli. Waouh. Ouais, sympa. Ça pour la saison, c'est incroyable. Le packaging est trop chou aussi. Comme ça, oui, c'est tout drôle. Petit avec le petit bouchon doré. C'est Kiki. Les devineurs. Oui. Et mais j'aime trop en fait le concept. Franchement, c'est une super idée. Du temps pour moi. Ah, du temps pour moi, la dernière fois, c'était un masque. Masque. Mais là, le packaging, il est tout petit. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir un masque plié là-dedans? Why not? C'est possible. Why not? Vas-y, why not? Juste pour voir si les devinettes, elles collent toujours plus ou moins avec le même style de... C'est pas du tout ça. C'est pas ça. Attends. Ah non, mince. Elle a montré. Oh non! C'est trop, trop cool. C'est le même en plus petit. Non, mais c'est excellent. Il y a le petit frère. Ah, c'est excellent, bon, j'adore. Tu prendras le petit, je prends le grand?
Non, il y a plus de boulot sur mon visage. Mais non, non, mais t'inquiète. Ah, c'est trop kiki, j'adore. Du temps pour moi. Mais là, par exemple, tu as du temps pour oui, moi. Oui, bah si, parce que le temps que tu fasses, ouais, tu prends le temps. Ouais, c'est ouais. Le gua sha, si c'est quelque chose, il faut que tu prennes le temps de le faire. Oui, sinon, je suis d'accord, ok. C'est bon, j'ai capté. Donc, c'était pas si mal. Mais ça ressemblait trop à l'autre devinette, en fait. Du coup, c'est c'était... Attends, comment elle était? Elle était comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. On passe au calendrier. Lucie. Mais c'est trop rigolo, la coïncidence. Ouh. La boîte est grosse. Oula. Attends, je vais la remettre. C'est quoi, c'est quoi? Waouh. En fait, alors, juste je vais montrer le packaging. Ouais. Je comprenais pas grand-chose et j'ai tourné jusqu'à shampoo, aloe and titanie. Ok. Pour cheveux normaux. Pour cheveux normaux. D'accord. Un shampoing. Mais le packaging est assez fou. Je le connais pas celui-ci. Ouais, c'est vrai. C'est de la marque Corse. Ouais. Corse. Corse, je sais pas comment. Mmh, ouais. Et voilà. À tester. Et du coup. Il y a l'Occitane. On en est où? Ah oui. Oh, je suis perdue. Elle est cachée à l'intérieur celle-là. Oh. Ah, oh, le format. J'ai douche parfumée Barbotine. Oh oui, ah, attends, j'ai un cheveu qui me chatouille en même temps. Mais ouais, ça sent super bon. Et je trouve le format sympa très, pour très le coup. Bon. Et le packaging original, ouais. Ouais, c'est cool. J'aime beaucoup. Et du coup, c'est terminé. Oh, j'ai vraiment un cheveu qui me chatouille le nez. Ah oui, je le vois. Oui, il est là. Ah, là-bas. Merci. De rien. On passe au calendrier café. Alors... C'est trop drôle d'avoir un calendrier café, j'aime trop. Ouais, moi je trouve ça super sympa. Oh, je l'ai déjà eu. Je sais plus. Caramel. Ah, c'est ce caramel. Super. Trop cool. Voilà, voilà. Et c'est terminé. Et franchement, j'adore. Sympa ce qu'on a trouvé dans j'adore, les cas numéro 10 là. Vraiment très, très sympa. Et du coup, on passe à la question du jour. Qui est... Quelles sont vos activités préférées en cette période de fête, Noël, ouais. Décembre, tout ça, tout ça. Moi, si j'y pense, en fait, je me dis... Ah, perso, je crois que c'est la patinoire. Allez, la patinoire. Ouais, j'aime beaucoup la patinoire. Bah, les marchés de Noël. Surtout les patinoires extérieures. Ouais, c'est vrai. Celles qui sont vraiment faites. Alors, je repense à Londres parce qu'il y en avait beaucoup des patinoires extérieures. Tu l'as vu dans la vidéo, celle qu'il y avait en pleine ville, dans un petit village avec. C'était trop mignon. Ouais, les patinoires comme ça qui sont vraiment en plus faites pour la période des fêtes, elles sont particulièrement magiques. Mais sinon, la patinoire tout court, déjà, je trouve ça cool. Ouais, après, moi, sinon, comme activité, j'aime bien chocolat chaud. Gros plaid devant un film de Noël. Ok. C'est... Ouais, ouais, on peut dire que c'est... Après, sinon, tu peux faire patinoire. Et après... Marché de Noël. Ouais. Et après, tu te mets sous un gros plaid bien chaud. J'avais pas dit top 3 hein, cette fois-ci. Oui, mais c'est pas grave. Moi, c'est ma journée activité, voilà. Après, ça peut peut-être être aussi aller au ski, aller faire de la luge. Il y a plein d'autres choses. Ça fait longtemps que je me fais de la luge. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de la luge. Bataille de boules de neige. Oh ouais, ça aussi, c'est cool. Mais en fait, ouais, si on y réfléchit, il y en a quand même pas mal des activités. Pour les personnes qui ont la chance d'habiter dans une région ou dans un pays où il neige, il y a faire un bonhomme de neige. Oh, c'est génial aussi. Attends, mais j'en ai jamais fait. Si, quand t'étais plus petite. Oui, quand j'étais plus petite. Tu t'en souviens pas. Parce qu'en fait, on y a réfléchi la dernière fois, je ne sais plus d'où avec qui on en parlait, et on se disait, mais ah bah si, et bah c'est avec une dame qu'on a rencontrée quand on prenait l'avion pour revenir de Londres. Ok. Et il se trouve qu'elle était aussi du sud, elle allait à Marseille aussi en fait. Et donc on en a parlé avec elle et on se disait, mais en fait ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de neige, mais genre suffisamment de neige pour faire un petit moi, de neige. Moi je me rappelle, j'aurais toujours ce souvenir en tête. Un jour, il a neigé, mais il a vraiment bien neigé. Mais je crois même que le jour-là, il est arrivé que ce soit un 1er décembre et qu'on aille faire un bonhomme de neige. Et on a mis combi de ski avec mon frère et on a joué dans la neige chez nous. Et c'est dans un vlog, parce que c'était pas dans la maison où on était avant là, c'était dans celle où on était avant. Et je pense que ça remonte vraiment. Oui, genre, ça devait être la première année où on y est allé, on est arrivé. Et effectivement, il me semble avoir commencé les Vlogmas en disant « On est le 1er décembre et il neige, quoi. » Je crois que c'était ça. L'année dernière, il y a eu ça de neige. Mais sinon, non, ça ne tient pas. Sinon, chez nous, la neige, on la voit tomber, puis elle arrive au sol. À la limite, ça fait un petit truc au sol. Puis en fait, on ne peut rien en faire. Hein. On ne peut pas faire un bonhomme de neige. Même des boules de neige pour faire une bataille de neige. Je ne sais pas.
Ça fait un moment qu'on l'a pas vu je chez nous. Je veux qu'il neige. Dites-nous ce qu'il en est chez vous par rapport à là où vous habitez aussi. Tiens. Et sur ce, bah, on arrive à la fin de ce vlogmas numéro 10. On espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, on vous aura plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Ah oui, ça fait une éternité qu'on n'a pas vu la neige chez nous. Ah oui. Genre en ouvrant la porte de la maison, quoi. T'imagines, sur la treille et tout, la neige. Alors, le problème, c'est qu'après, ça fait beaucoup de poids sur les... sur ouais, la... mais t'inquiète, la nature, tu sais, après, ça... ça fait tout. Sur les plantes et tout, t'imagines, mais... la neige. Ouais. La neige sur les palmiers devant la piscine, ça serait même fini. Même sur la voiture et tout, tu sais, sur la ouais, non, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu celle-là. Allez, bisous à tous. Je veux de la neige, bisous.